Salutations à tous, membres de l'Ordre Jedi. Si nous nous réunissons ce jour, aujourd'hui et maintenant, cet événement est décerné au maître Valar Doris. Maître Valar Doris avait fait tant de choses, comme protéger les plus démunis, et il a toujours été l'un des plus grands Jedi. Aujourd'hui, il nous a pas quittés, il n'a fait que rejoindre et alimenter la force. Maître Valar n'aurait pas voulu que l'on soit triste, il aurait voulu que nous soyons forts et que nous continuions à nous battre. Et nous avons donc répondre à ses dernières volontés. Membres de l'Ordre Jedi, que la force soit avec nous. Celui qui veut parler au monde de Valar, qu'il s'oppose maintenant. Qu'est-ce que ce bordel, mec? En haut? Salazar, putain! J'ai un DTK sur le Star Wars! J'arrive. Pour moi, Valar était... non pas comme un membre de l'Ordre Jedi à part entière, mais bien comme un frère. Vous êtes tous... je vous considère tous comme mes frères, mais... Maître Valar... et moi avons vécu quelque chose que je n'ai jamais vécu avec l'un d'entre vous. Il avait un grand cœur. Et il avait bien entendu une grande âme et un grand courage. Il n'a jamais failli à sa mission de gardien, à sa spécialisation. Il est le pilier de la spécialisation des gardiens. Même moi qui suis ombre, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Ses enseignements sont quelque chose que personne ne peut oublier ou bien ignorer. Et son courage aussi. Il s'est toujours mis entre ceux et les plus démunis. Jamais. Bien, nous allons donc pouvoir reprendre les activités. Ceux qui souhaitent encore rester devant la tombe du maître Valar pour se confesser, eh bien vous pouvez si vous le souhaitez. Cependant, nous allons reprendre les activités. Je rappelle toutefois que la mort n'est pas une abomination, mais que la mort nous amène vers la force et nous rapproche de la force. Donc il faut l'accueillir à bras ouverts. Et pas la rejeter et ne pas pleurer surtout. Nous ne devons pas faire preuve de sentiments, je crois. Bien. Ceci est donc terminé, donc vous pouvez tous reprendre vos activités, sauf ceux qui ont besoin de déposer des objets ou de parler au maître Valar une dernière fois. Merci. Non, un sable ça coûte cher. Je crois qu'ils ont pas compris. C'est tout. Mon sable va coûter 150 000. Putain.